Elles sont vides, ces bouteilles de gaz domestique. Les habitants de la ville de Makoukou sont privés de cette substance. La demande est forte et le produit manque à l'appel des consommateurs. Mais c'est le problème des gaz, là, on arrivait, c'est un camion, c'est normal. Un camion, là, ça ne dure pas même, c'est trois jours et un jour, sinon c'est déjà fini. C'est là-bas qu'on achète les gaz à Libreville. On amène ici, on vend ça à 5 450. Parfois là c'est même pas un jour ça. On venu comme ça, là on finit ça vite, on part ça. Parfois. Ils viennent parfois de loin pour s'approvisionner, mais en vain. Il faut que le développement se fasse partout ailleurs, estime ce notable. Je suis de Maïbout, je suis le regroupement de Maïbout, mais pour se ravitailler en gaz, on se déplace de Maïbout pour Makoukou. Et une fois on arrive, bizarrement on trouve qu'il n'y a pas. Donc on est obligé encore de patienter, attendre. Effectivement, on demande au gouvernement un peu de voir la situation, un peu de la population. Parce qu'on doit changer, c'est comme on le dit. On ne peut pas toujours tâtonner dans la même action. Hein. Il faudrait qu'il y ait un changement. À Makoukou, comme un peu partout ailleurs au Gabon, la demande du gaz domestique reste très forte et l'offre s'inscrit parfois dans la liste des abonnés absents.